Alors dites-moi, on sent l'adrénaline monter ? Ben ouais, on en approche là, ça se passe bien, hein, regarde. Pas un chat, on entend les mouches péter, tout va bien. Hein. On n'est pas du tout attendu, ça va bien se passer. Hein. C'est chaud là, j'aime bien quand c'est comme ça. Bien commun là, ça va faire du bien, un petit peu de pouvoir d'achat. Avec les gilets jaunes, c'est du cash direct dans la popoche. Les bons sous-sous dans la popoche. Un commentaire sur ce péage gratuit. Ah, bon, c'est bon. C'est bon. Bonne année. Ah oui, bonne année. Salut. Les autoroutes, c'est le patrimoine français, il me semble. C'est le service public français. C'est nos parents, nos gros-parents qui les ont construits. Et c'est la moindre des choses que de le redonner au peuple français. Voilà, c'est section interdépartementale de Gilets jaunes qui ont décidé de se réunir à nouveau à Saint-Arnoult. Et ça fait partie, en effet, du patrimoine français. Et il va falloir absolument qu'une plus grande masse de population se réintéresse à ces sujets parce qu'on est en train de brader leur pays. Alors quand c'est pas les autoroutes, c'est les aéroports de Paris, SNCF, peut-être même bientôt les routes nationales, les barrages hydrauliques, on va continuer à vendre toute la France. Défendez votre pays, les amis. Défendez votre pays. C'est important que, comment dire, vous preniez conscience que il faut absolument se réapproprier notre héritage. Le mouvement des Gilets jaunes. Après, le décrire, ça prendrait des heures, mais ça tient en ces quelques mots, et surtout l'humain avant le profit. C'est tout le contraire de ce qui se passe en France, en fait, et de plus en plus. Donc, par rapport à toutes les lois qui sont votées actuellement, c'est toujours le profit, le profit, le profit. Et on voudrait juste qu'on pense un peu à l'être humain au milieu de tout ça. Mais pas trop la République. La France, c'est pas trop la République. Pas des masses, pas des masses. L'Antiquité, comment dire, pendant l'Antiquité, la République, il y a eu beaucoup de déstabilisation politique. Les régimes le plus stable de tous, malgré tout, ça a quand même été le Royaume de France. Et depuis, entre 496 et 1789, malgré plusieurs dynasties, etc., on a quand même une stabilité politique qu'on n'a jamais eu depuis 1789, qu'on n'a jamais eu avant. On passera ce cap-là et on ira naturellement vers la fin de cette pseudo-construction républicaine et comment dire, progressiste, libertaire, libertarienne, qui n'a pas d'avenir. Qui, en fait, on arrive au paradoxe de cette idéologie-là, qui sur le papier est plutôt jolie, mais qui malheureusement, dans les faits, est paradoxale et qui a plein d'antithèses partout et il y a plein de choses qui sont pas logiques. Les gens sont plutôt contents. Les gens sont très contents. Ils ont des grosses factures, ils rentrent de vacances. Oui, parce que là, c'est combien le péage ? C'est 20-30 euros à peu près par... Ouais, j'ai vu des... C'est 30 balles par bagnole. Il n'y a pas de problème de sécurité, on est autonome au point de vue de la sécurité, tu vois, tout le monde se gère bien, bon, il faut recadrer de temps en temps, et c'est la priorité parce que, je sais pas si tu vois, quand tu vois le flux qui arrive, on est sur le gros pic, en fait, qu'on avait prévu entre 14h et 19h, donc en fait, on avait prévu l'opération à ce moment-là, et on est en plein dedans, donc maintenant, en fait, le temps qu'on restera ici dépendra de la sécurité qu'on aura, donc voilà. Mais l'opération, pour l'instant, se déroule bien, puisque les gens nous font des cœurs, ils sont tous heureux, ils sont tous contents, des bonnes années, tout ça, donc voilà. Quoi. Là, on est sur des vacanciers qui reviennent de Clermont. Si tu reviens de Clermont, t'es sur
sur une base à 40 euros. Si tu reviens de Tours, t'es sur une base à 30 euros. C'est énorme, c'est énorme. Je pense qu'ils sont contents. Moi, je suis pas trop les merdias. C'est-à-dire que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes a toujours été très populaire. Et je me suis jamais laissé embrigader dans le sens de dire « Ouais, non, le mouvement des Gilets jaunes est impopulaire. » Évidemment, quand t'as un péage gratuit, tu vas pas cracher dessus. Évidemment que là, ils vont peut-être dire « Ouais, les Gilets jaunes, finalement... » Mais peu importe, nous on sait pourquoi on le fait. Nous on sait pourquoi on le fait et c'est le principal. Le bien commun et puis faire en sorte de faire comprendre qu'en fait la réforme des retraites c'est juste un détail. Restez avec nous dans la rue parce que c'est un système qu'il faut combattre. C'est pas qu'une réforme, c'est un système qu'il faut combattre. Bah, ce que je fais ici, je souhaite la bonne année aux citoyens qui reviennent de vacances en leur offrant un péage gratuit. Parce que ces péages ils nous appartiennent, alors symboliquement on les reprend. Ils ont été vendus par l'oligarchie il y a 40 ans, ils devaient nous être restitués et bah, toujours rien. Bah, ça fait un moment que les usuriers sont au pouvoir, ouais, bien sûr. À partir du moment où tu n'as plus de banque nationale, que t'es, que ta dette elle est rachetée par des banques privées, bah, évidemment, ça me paraît être le béaba pour faire comprendre à aux citoyens qui ne sont pas encore réveillés qu'il est grand temps de se réveiller, évidemment, bien sûr. Tu peux être nationaliste et être tourné vers le social. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Après, il faut au cas par cas, il faut pouvoir discuter avec tous les citoyens qui ont envie de discuter avec nous, parce qu'il y en a, qui n'ont pas forcément envie, qui ne se retrouvent pas dans les revendications qu'on avait ou et qu'on a toujours. Bien sûr qu'il y a tous horizons. Il y a des gens qui étaient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. On a pu discuter, on a pu se retrouver. Formidable. Bonne année. Longue vie aux gilets jaunes, longue vie au peuple qui se réveille, on est là. Un mot au français, à quel français ? D'internet, aux gens qui nous regardent. Oui, bah on est là, on est comme d'habitude, hein, donc... Bah, je les invite, s'ils ont des copains dans le 91-77 à venir. Voilà, le péage, ça fait longtemps qu'on le fait, depuis un an. Voilà, donc en effet, hein, c'est un certain pouvoir d'achat pour permettre aux gens voilà, de garder cet argent-là. Donc à chaque fois qu'on fait une opération comme ça, c'est plus de 200 000 euros, 300 000 euros qu'on fait perdre à Vinci. Il y a monsieur l'huissier. Jeune année, monsieur. Mais la famille, il y a l'huissier qui est déjà venu. Ils font leur boulot, voilà, pour prendre des photos. Quand je fais ma mise au point. La France, en général, nous soutient. On a encore beaucoup de soutien de la population, donc du coup, il n'y a aucune raison qu'on lâche. Donc voilà, on est là. Ça avait commencé, les gilets jaunes, à prendre en Allemagne et en Belgique. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des bretzel derrière toi? Oui. Un mot sur les bretzel. Les bretzel, oui. Alors en fait, il y a toujours eu beaucoup de solidarité chez les gilets jaunes. Donc ça, depuis le début du mouvement, on a vraiment renoué... une espèce de dialogue déjà entre nous, des gens qui se seraient peut-être jamais parlé. Sur les ronds-points, se sont parlé, des catégories complètement différentes, des gens complètement différents, des chômeurs, des gens qui travaillent, des retraités, mais aussi des femmes seules, des femmes voilà, qui sont dans des difficultés, des étudiants, enfin voilà, toutes sortes de gens. Et c'est ça aussi les gilets jaunes, c'est un sentiment de famille. Et il y a des gens qui étaient seuls les années précédentes, qui se sentent plus seuls. Et on le voit vraiment dans les groupes, ces échanges, ça. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup, c'est les gens, quand les gens disent, voilà, j'ai trouvé des gens à qui parler, je me sens du tout, plus du tout seule. Et je pense que c'est ça en France aussi. C'est des gens qui sont seuls et qui vivent mal ça. Et avec les gilets jaunes, ils ont... Il y a un nouvel esprit qui s'est insufflé, je trouve. Alors pour ces gens, comment on vous rejoint ? Il y a toujours des ronds-points qui existent. Renseigne où ? Sur Facebook ? Alors c'est Facebook. Alors nous, pour l'Essonne, par exemple, moi je suis de l'Essonne. Donc il y a plusieurs groupes en Essonne. Et il y a une carte de l'Essonne qui a été faite avec tous les ronds-points. Et puis oui, sur Facebook, on tape « gilets jaunes ». Et on tombe sur des groupes Facebook et il y a tout le temps des actions, il y a tout le temps des choses à mener. Donc on peut nous trouver, voilà, soit sur les ronds-points, soit sur Facebook. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup.
Donc là, la situation est assez tendue. Les gendarmes sont arrivés en masse. Et je pense qu'ils vont évacuer le péage après avoir créé un bouchon. Mener une action de 2 heures et on a fait perdre beaucoup d'argent à Vinci Autoroutes. Hein. Rappelons que ces autoroutes, c'est à nous. Hein. On les a déjà payées il y a bien longtemps. Donc on fait rendre aux citoyens ce qu'ils ont déjà payé. Ben, c'était cool, hein, comme toutes les dernières fois où on a fait ces actions-là. Ça se passe bien, c'est ce qui compte. Ils comprennent qu'on fait ça pour eux aussi et qu'on fait ça pour tout le monde et voilà, c'est pour ça que ça se passe bien, quoi.